Par où commencer? Du coup, les lipides, c'est un cours assez vaste. En fait, c'est un peu, enfin, c'est de même guerre que les glucides, c'est-à-dire que nous, c'était des cours qu'on avait en trois parties. Vous, cette année, ce sera que deux parties. Donc, ils ont enlevé enfin, là, ils ont enlevé la dernière partie, par exemple, les lipides, et franchement, c'était la plus compliquée, très, très chiante, mais voilà. Du coup, la première partie des lipides. Hop. Alors, donc, c'est la base des bases. Acides gras et dérivés. Donc, clairement, voilà. On va voir les lipides simples, les lipides complexes et les propriétés des lipides. Alors, dans les lipides simples, donc voilà, on verra donc la base, les acides gras, saturés et insaturés, on fera bien la différence. Et après, donc, les lipides simples, que sont les glycérides, les stéroïdes. Ensuite, les lipides complexes. Donc, bien sûr, on va faire la distinction entre lipides simples et lipides complexes. Et donc, la famille des glycérophospholipides et celle des sphingolipides. Donc, je préviens, voilà, là aussi, on va avoir des mots compliqués, des mots longs, mais on va essayer d'expliquer pour que ça vous soit plus simple. Alors, commençons par la base des bases. Donc, les lipides. Donc, c'est de formule générale, RCOOH. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, donc, tout ça, ça va s'appeler donc la chaîne hydrocarbonée. Donc, comme son nom l'indique, hydrocarboné, donc on a des carbones, on a des hydrogènes, et en fait, ici, on va avoir une fonction carboxyle, donc COO et double liaison avec un oxygène aussi. Du coup, ça, donc, c'est vraiment la base des bases, RCOH. Alors, la chaîne hydrocarbonée, ici, donc, elle peut être ramifiée ou non, donc c'est-à-dire qu'on peut ajouter ou non des groupements à certains hydrogènes, elle peut être saturée ou non. Elle peut être plus ou moins longue. Donc, ça veut dire que des fois, on peut avoir deux carbones ou des fois, on peut en avoir 26. Donc, voilà. Donc, on commence par les acides gras saturés. Alors, donc, ce sont les acides gras les plus répandus dans notre organisme. Et en fait, leur formule, donc, c'est C petit n H2N O2. Donc, à savoir, donc, je l'ai mis en rouge, mais voilà, c'est pareil, la base des bases. Et le petit n, c'est où? C'est entre 4 et 36 carbones. Donc, en fait, c'est que des nombres pairs. Ça aussi, voilà, intéressant de savoir. Et en fait, là, je vais vous expliquer la nomenclature. Donc, soyez bien, bien attentifs. Donc, on a deux nomenclatures qui sont utilisées. Donc, dans la première, en fait, on va considérer, vous savez, le carbone du résidu carboxyle, là. Donc, en fait, on va considérer ce carbone et du coup, ce sera le premier carbone. Parce que là, vous voyez, il y a un 1. Et à partir de là, on va compter le deuxième, le troisième, etc., etc. Du coup, dans cette première nomenclature, on compte à partir du premier carbone qui est donc le carbone du groupement carboxyle. Dans la deuxième nomenclature, donc avec des lettres grecques, en fait, on ne va pas considérer ce premier carbone, mais on va commencer à partir du premier carbone qui est ramifié donc à ce groupement carboxyle. D'accord? Et en fait, ce carbone, on va l'appeler alpha. Le second, ce sera bêta, etc., etc. Et attention, le dernier carbone de la chaîne, il sera appelé oméga. Et vous verrez plus tard, enfin, je vais déjà vous spoiler. Vous connaissez certainement les oméga 3, les oméga 6. Et bien, c'est un rapport, voilà, avec ce oméga, voilà, et la localisation de la double liaison. Mais on verra ça plus tard. Du coup, là, vous avez une petite concordance entre les deux. Donc ici, en fait, vous voyez que le alpha, du coup, c'est le deuxième carbone, et le bêta, le troisième. Est-ce que ça va ou quelqu'un n'a pas compris cette nomenclature? Si quelqu'un ne comprend pas, je peux réexpliquer vraiment, hein. Ok, super, vous gérez. Et donc, du coup, alors, 2 minutes, ramifier. Ramifier, en fait, c'est que tu vas rajouter des groupements. J'avais, enfin, des groupements, par exemple, méthyle, CH3 ou autre, tu vois. Parce qu'en fait, voilà, tu vas rajouter les groupements sur ta chaîne hydrocarbonée. Voilà.
C'est tout. Et du coup, je réexplique. Donc, deux nomenclatures. Une à partir de laquelle on va commencer directement par le premier carbone de ce groupement carboxyle. Et après, donc, on va compter tous les carbones normalement. Un, deux, trois, etc. Et une deuxième, en fait, on ne va pas commencer à partir de ce premier carbone. On va commencer à partir du premier carbone qui est ramifié donc au groupement carboxyle. Donc, c'est-à-dire, en fait, le deuxième carbone qui va dans cette deuxième nomenclature devenir le carbone alpha. Donc voilà, attention, donc le carbone 1, ce n'est pas le carbone alpha. Voilà. Et donc là, tu commences alpha, bêta, etc., ton alphabet grec, et tu finis par oméga. Oméga, ce sera toujours le dernier carbone. Alors, saturé, c'est quand il n'y a que des liaisons simples. Exactement. Il y a un numéro qui n'est, il y a un carbone qui n'est pas numéroté, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, tu vois, il y a les pointillés. Donc, c'est pour te dire qu'en fait, ça peut continuer, en fait. C'est tout. Voilà. Et on n'a pas voulu marquer tous les carbones. Et du coup, ben là, voilà quoi, ça peut être n'importe quel numéro de carbone. Je sais pas, le 16, le 17, tout ce que tu veux. Voilà. On doit connaître l'alphabet grec. Non plus. Non plus, non plus. Juste, voilà, alpha, bêta, gamma, delta, c'est la base. Voilà. Ne t'inquiète pas, tu ne dois pas tous les avoir. Et savoir juste que oméga, c'est le dernier. Il y a un ordre spécial entre bêta et oméga à savoir. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on a oméga 1, oméga 2? Ben, tout simplement, parce qu'en fait, voilà, tu ne dois pas savoir ton alphabet grec par cœur. Et tu verras que plus tard, donc en fait, là, donc on sait que oméga, c'est le dernier carbone. Et du coup, ça, c'est l'avant-dernier, oméga moins 1. L'avant-avant-dernier, oméga moins 2, on pourra voir ça après quand on verra les acides gras insaturés. Les noms grecs, ben, c'est tout, alpha, bêta, gamma, voilà. Tu verras au fur et à mesure des cours, des fois on en parlera. Au pire, voilà, renseigne-toi, ça fait toujours plaisir de savoir l'alphabet grec. Je rigole. Du coup, on reprend. Donc j'ai bien marqué les acides gras saturés, comme quelqu'un l'a fait remarquer. On n'a pas de simple liaison. On n'a que des simples liaisons, pardon. On n'aura pas de double liaison. Les doubles liaisons, ce sera propre aux acides gras insaturés. OK? Allez. Du coup, pareil, donc on a deux noms. Donc pour les acides gras saturés, en fait, chaque acide gras va avoir un nom systémique et un autre un nom commun. Donc, la différence entre systémique et commun, eh bien, c'est que systémique, c'est par rapport au nombre de carbone, et commun, ce sera par rapport à son origine, donc là où on va le trouver dans la nature. Du coup, hop, pardon. Voilà un tableau magnifique, vraiment magnifique. Du coup, ici, ça, c'est les exemples à connaître. Enfin, notre année, et quand j'étais primante aussi, c'était les exemples à connaître. Du coup, c'est par rapport au nombre de carbone, donc 4, 10, 16, 18, 20, 22. Et voilà, vous avez le nom systémique et le nom commun à savoir pour chacun de ces acides gras. Alors, donc là, le nom systémique, je rappelle, c'est par rapport au nombre de carbone. Donc, petit point nomenclature. Donc, tout ce qui est but, vous verrez plus tard, mais c'est 4 en fait. Voilà, but ou tétra, ou comme vous voulez, c'est 4. Après, donc 10, déca. 16 hexa, déca, donc déca 10, hexa 6. Pareil, 18, déca 10, octa 8, donc ça fait 18. Et cosa, c'est pour dire 20 en fait. Et docosa, c'est pour dire doco, parce que 2. Et cosa, voilà, 22. Voilà. Alors, attendez, je regarde les questions. Mais comment on est censé les connaître? On fait comment? Ben, je sais pas, alpha, bêta, peut-être déjà que tu connais, non? Mais voilà, mais t'es pas obligé de tous les savoir, non. C'est pas, voilà quoi, on te demandera pas, pardon, des questions sur l'alphabet, voilà. Ok, super. Du coup, l'acide butanoïque, c'est l'acide butyrique. L'acide décanoïque, l'acide caprique. L'acide hexadécanoïque, l'acide palmitique. L'acide octadécanoïque, l'acide stéarique, l'acide écosanoïque, l'acide arachidique et l'acide docosanoïque qui est l'acide bénique. Alors,
un moyen mnémotechnique pour apprendre le tableau. Alors clairement, moi, j'en avais pas. Juste, je répétais. Après, voilà, là, tu vois, butanoïque, butyrique. Voilà, ça commence par un B, les deux. Ensuite, palmitique, enfin, moi, dans ma tête, c'est pas que ça allait tout seul, mais je me disais palmitique, 16. Voilà, tout simplement. Voilà, et en fait, je retenais ce qui me faisait du sens. Donc, palmitique, je sais pas, je pensais à un truc tout con, hein, je pensais à la palme, l'huile de palme ou tout ce que tu veux. Et je me disais, oh, 16, l'acide arachidique. Je pensais à l'huile d'arachide, je me disais 20. Et après, ben, les autres, voilà, entrent. Mais non, sinon, pas de réel moyen mnémotechnique, enfin, pas pour ma part. Après, je ne sais pas si les autres tuteurs en auraient. Mais en tout cas, voilà, il y a des trucs. On n'a pas forcément toujours des moyens mnémotechniques pour tout. Mais voilà, déjà, bébé, je sais que ce n'est pas grand-chose, mais ce sera déjà ça. Donc, du coup, je vous le dis, ce tableau était à prendre. Je crois que j'ai fait des QCM sur ça. Déjà, à la fin du cours, il y en aura. Donc, je sais que là, vous n'allez pas pouvoir tous les retenir, mais essayez de les retenir pour vendredi. Voilà. Du coup, on passe à la deuxième catégorie de lipides simples, c'est les acides gras insaturés. Du coup, comme j'ai dit, présence d'une ou plusieurs doubles liaisons. Donc, ce sont des AG mono ou polyinsaturés. Donc voilà, comme je le dis, en fait, on n'a pas que des doubles liaisons. On va avoir des liaisons simples qui vont être conjuguées avec une ou plusieurs liaisons doubles. Enfin, double liaison. C'est pour ça qu'on appellera ça des acides gras mono ou polyinsaturés. Donc mono, par exemple, là, on a un exemple d'acide monoinsaturé. Et en fait, vous voyez, on n'a qu'une seule double liaison. Alors que plus tard, on verra, dans les acides polyinsaturés, on en aura plusieurs. Et du coup, même nomenclature que pour les acides gras saturés, donc celle avec les lettres grecques ou pas, et elle est utilisée pour définir des mêmes familles d'acides gras. Et donc voilà, parce que les mêmes familles d'acides gras, genre, par exemple, là je vous ai mis les oméga-3 ou les oméga-6, ils auront en fait les mêmes voies métaboliques, tout simplement. Donc pour la dégradation, etc., etc. Du coup, là, les acides gras monoinsaturés. Alors, donc là, vous voyez, ça va être de cette forme-là. Donc ici, déjà, vous pouvez le voir. Alors, ce n'est pas sorcier. Hein. Donc ici, c'est petit indice N, 1 entre parenthèses X. Alors, j'explique. Donc, le petit indice, ici, en fait, ce sera le nombre de carbone total dans votre chaîne d'acides gras. Et ici, le X entre parenthèses, ce sera la position de la double liaison. Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. super. Ok, merci. Du coup, je répète. Là, le C, indice petite n, ce sera le nombre de carbone total. Le 1, je vous expliquerai plus tard. Et le X, ce sera la position de la double liaison. En gros, là, on est dans les acides insaturés. Du coup, on va pouvoir définir des familles, donc, avec, par exemple, voilà, les oméga. Donc, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On compte à partir du dernier carbone. Et en fait, on va compter la position de la double liaison. Ici, donc, dans le cas des monoinsaturés, il n'y en aura qu'une. Et donc, on va compter la position de la double liaison à partir du premier carbone ou du dernier, je ne sais plus. Du coup, par exemple, ici, on a l'acide palmitoléique. L'acide palmitoléique est composé donc de 16 carbones. Et le 1, en fait, ici, il correspond au nombre de doubles liaisons qu'on a. Donc, ici, dans l'acide palmitoléique, on n'a qu'une seule double liaison. 9, c'est la position de la double liaison. Et du coup, pour savoir sa famille, donc sa famille oméga, on va faire 16 moins 9. Et ça nous donnera des oméga 7. Est-ce que ça va ou pas? Donc là, je vous ai mis pour déterminer la famille des acides gras, donc le petit n, donc le nombre de carbones totaux, moins x, qui est donc la position de la double liaison ou de la dernière double liaison, comme on verra après. Les exemples sont à connaître, oui. Oui.
tout ce qui sera marqué dans les diapos, vous verrez ça aussi, il y en aura beaucoup, tout sera à connaître. Du coup, là, je vais vous expliquer parce que ça, du coup, ça, c'est le nom commun. Donc, toujours pareil, nom commun, nom systémique. Donc là, le nom commun de cet acide, c'est l'acide palmitoïque. Et son nom systémique, donc c'est l'acide 9,10-déhydrohexadécanoïque. Alors, j'explique. 9,10, en fait, c'est la position de la double liaison. C'est-à-dire que la double liaison va se trouver entre le carbone 9 et le carbone 10. Déhydro, eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a la présence d'une double liaison. Donc, c'est insaturé. Et donc voilà, d'où le déhydro et hexadécanoïque, tout simplement parce qu'on a 16 carbones. Donc toujours hexa 6, déca 10, en tout ça fait 16, décanoïque. Alors, le nombre de carbones total, dont ceux dans les possibles ramifications ou juste la chaîne principale. La chaîne principale. Et c'est toujours comme ça, entre deux carbones. Oui. Comme tu peux voir. Hop, je reviens en arrière. Ici, la double liaison, elle se situera entre deux carbones. OK? Du coup, deuxième exemple, l'acide oléique. Donc ça, c'est son nom commun. Toujours pareil, je répète, 18 carbones au total, une seule double liaison qui est en position 9. Du coup, son petit nom bien sympathique, le nom systémique, c'est l'acide 9,10-déhydro. Octadécanoïque ou acide 9,10 déhydrostéarique. Donc là, vous allez me dire pourquoi stéarique? Et bien, tout simplement, vous l'avez vu dans le tableau, enfin, vous ne l'avez pas retenu. Mais en gros, stéarique, ça désigne donc les acides qui ont 18 carbones. OK? Du coup, pour cet acide, on fait pareil, 18 moins 9 et on obtient un oméga 9. Est-ce que ça va pour tout le monde pour déterminer la famille? Les oméga 7, oméga 9, le nombre de carbones au total, moins la position de la double liaison, 16 moins 9, 7, ou 18 moins 9, 9. OK? Super. Donc, bien sûr, on retient les exemples. Palmitoléique, oléique. Franchement, les noms comme ça, bon, si vous connaissez ça, vous pouvez le déterminer. Par contre, je pense pas qu'on... Enfin, ça peut tomber, mais bon, c'est pas cool, quoi. X, possible DL ou possible précarbone. X, c'est la position de la double liaison. Voilà. Du premier carbone qui est inclus dans la double liaison. Parce que là, comme vous voyez, là, il y a marqué 9. Et en fait, c'est la double liaison entre 9 et 10. Voilà. Oui, mais donc, dans les agents insaturés, il n'y a qu'une seule double liaison. Non, comme j'ai expliqué, on a les monoinsaturés et les polyinsaturés. D'accord. Donc là, c'est des exemples d'acides gras monoinsaturés. Mais juste après, on va voir les polyinsaturés. OK? Oui, en fait, hop, je reviens. En fait, on compte à partir du dernier carbone. Enfin, tout à l'heure, j'ai dit, je ne savais plus si c'était premier ou deuxième. Mais là, en gros, tu as le premier parce que tu sais, là, c'est le carbone 1, 2, 3, etc. Et en gros, non, on compte à partir du dernier là. OK? Donc, pas à partir du premier carbone, mais à partir de la fin. Parce qu'en fait, vu que c'est des oméga moins quelque chose, tu vois bien qu'on doit compter à partir du dernier carbone qui s'appelle, je rappelle, le carbone oméga. Donc là, si vous voulez, ça va faire oméga. Oméga 1, oméga 2, oméga 3, oméga 4, oméga 5, oméga 6, oméga 7. Oméga 8, OK? Du coup, oméga 7, ouais, exactement, c'est le septième oméga, en partant de la fin. Super. Du coup, les acides gras polyinsaturés. Donc, eux, contrairement aux monoinsaturés, vous doutez bien qu'ils en ont plusieurs. Et là, en fait, il y a un truc très important à savoir, c'est que les doubles liaisons, elles sont presque toujours, j'ai marqué toujours, mais c'est presque toujours, tous les trois carbones. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de liaison conjuguée. Je crois que vous l'avez vu ça dans les orbitales. Mais en gros, en fait, liaison conjuguée, ça veut dire qu'une fois sur deux, on a une liaison, une double liaison. Donc, on a une simple liaison, double liaison, simple liaison. Sauf qu'ici, pas du tout. Ce n'est pas conjugué, c'est tous les trois carbones. Par exemple, position 9,10,
puis 12-13, puis 14-15. Okay? On s'arrête à la double liaison. Et avant, c'est juste les lettres grecques à partir de alpha. Comment ça? Non, en fait, attends, je ne comprends pas bien ta question. On s'arrête à la double liaison. Ben, pour déterminer la famille, oui, tu t'arrêtes à la première double liaison, OK? Tu t'arrêtes à la première double liaison en partant donc de la fin pour déterminer la famille. Est-ce que c'est ça ta question ou pas? Bon, tu me dis, hein. Du coup, bon, c'est bon. Dans les acides gras polyinsaturés, c'est très très important de savoir qu'on a deux familles très importantes de notre corps d'acides gras polyinsaturés. Et du coup, ces familles, c'est les oméga-6 et les oméga-3. Les oméga-6, ils sont représentés par l'acide linoléique et les oméga-3 représentés par l'acide alpha-linolénique ou linolénique. Des fois, c'est marqué acide linolénique, OK? Du coup, très important, ne pas vous tromper. Voilà. Ça, j'ai pas de moyen pour vous le faire savoir. Vraiment, le représentant, le chef de file, comme on l'appelle, des oméga-6, c'est l'acide linoléique. Et le chef de file, le représentant des oméga-3, c'est l'acide linolénique ou acide alpha-linolénique. Ça, très, 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 très important. Vraiment, les pièges comme ça, on ne les compte plus. Donc, faites attention à vous. Et enfin, du moins à ce que vous lisez. Alors, ici, donc, on commence par la série des oméga-6. Donc, vraiment, tout ce qui est en rouge, je vais l'expliquer. Voilà, tous les chiffres sont à connaître. C'est-à-dire que comme on est dans le cas des acides gras polyinsaturés, on va avoir plusieurs doubles liaisons. Et du coup, est-ce que vous vous souvenez tout à l'heure, dans les monoinsaturés, ici, à la place du 2, on avait un 1, tout simplement parce qu'on n'avait qu'une seule double liaison. Alors qu'ici, comme c'est des polyinsaturés, on va en avoir plusieurs. Du coup, pour l'acide linoléique, je répète, qui est donc le chef de file des oméga-6, ce sera un acide avec 18 carbones au total et qui comportera, pardon, qui comportera deux doubles liaisons qui se trouveront en position 9 et en position 12. Toujours pareil, là vous voyez bien qu'entre 9 et 12, il y a 3 de différence, OK? Toujours pareil parce que donc les doubles liaisons elles sont situées tous les trois carbones. Du coup, donc cet acide linoléique, il est aussi appelé acide 9-12 octadécadiénoïque. J'explique. 9-12, les positions des doubles liaisons. Octadéca, tout simplement parce que ça fait 18. Si vous comptez déca 10, octa 8, 18. Diénoïque, c'est tout simplement parce qu'en fait, comme on a une double liaison, ça va s'appeler un N, un éthyle. Alors que donc on a une liaison simple entre donc deux CH2 par exemple, ça va s'appeler un méthyle. OK? Donc ça c'est de la nomenclature. Si vous avez fait S, je crois qu'on le fait en terminale, j'en suis plus sûre. C'est toujours comme ça ou c'est un exemple. C'est pas toujours comme ça. Là c'est propre à l'acide linoléique, OK? Mais là, comme tu peux voir, on a aussi un nom un peu compliqué. Donc, là, c'est le nom commun, là, c'est le nom systémique. Toujours pareil, nom commun systémique, à savoir. Donc, dites-vous quand c'est compliqué comme ça, octa, blablabla, oïque à la fin, c'est le nom systémique, OK? Du coup, je vous ai expliqué la nomenclature. Et en fait, oméga 6, toujours pareil, si vous faites 18 moins 12, donc là on prend toujours le plus grand, ça va nous faire oméga moins 6. OK? Et en fait, vous allez faire ça à chaque fois. Si on vous donne un exemple, par exemple, on va prendre l'acide arachidonique, on prend le plus grand à chaque fois. Donc c'est pas le carbone de la première double liaison, c'est en fait le carbone de la dernière double liaison. Donc, toujours pareil, excusez-moi. Donc, vraiment, c'est le carbone de la dernière double liaison. Parce que vous voyez que là, donc, c'est le dernier, en fait. La dernière double liaison, elle sera située entre 14 et 15. Et du coup, on prend le premier carbone
de la dernière double liaison. Okay? Donc ici toujours, donc l'acide linoléique, c'est le précurseur de tous les acides gras de la famille oméga-6. Et en fait, à partir de ça, il va pouvoir synthétiser l'acide arachidonique, qui sera lui-même précurseur des écosanoïdes et des endocannabinoïdes. Donc, les doubles liaisons sont toujours au même endroit pour cet acide linoléique. Oui. Voilà. Et par contre, là, toujours, c'est à savoir. Donc, c'est-à-dire, là, je vous conseille de faire un petit tableau, par exemple, avec donc leur nom commun, leur nom systémique, et voilà, donc leur formule, C18, 2, 9, 12. Et des fois, enfin, moi, je faisais des flèches, en fait, entre tous, parce que, bon, là, par exemple, c'est le précurseur. Donc, du coup, à chaque fois qu'il y avait un oméga 6, je me disais, ben voilà, le chef de file des oméga 6, c'est l'acide linoléique, et du coup, ça doit venir de ça. 9, 12, c'est en comptant depuis le C du COH? Non. Non, non, non. Parce que, vu que c'est les oméga, en fait, tu vois. Donc là, c'est par exemple, le 9, il est en position oméga moins 9. OK? Et le 12 en position oméga moins 12. OK ou pas? Et le oméga, ben, c'est le carbone numéro, enfin, c'est le dernier carbone, donc là, le 18. OK? Super. Et du coup, là, j'ai marqué qu'il était indispensable. Donc ça, c'est une notion qui est très, 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 très importante à savoir. Du coup, qu'est-ce que c'est un acide indispensable? C'est un acide qui ne sera pas synthétisé par l'homme. Et en fait, donc là, il est très, très important, vous vous doutez bien, parce que voilà, ça va être le chef de file et il va devoir, et à partir de ça, en fait, on va pouvoir synthétiser d'autres types de lipides et qui vont avoir une importance dans notre organisme. Et du coup, donc c'est le système enzymatique qui n'arrive pas à positionner la double liaison. Et en fait, du coup, on va avoir besoin d'un apport exogène, donc par exemple l'alimentation, ben voilà, pour arriver à synthétiser donc cet acide linoléique avec la double liaison. Okay? Parce qu'en fait, le truc, c'est que le système enzymatique n'arrive pas à positionner la double liaison au-delà de la neuvième position. Okay? Endocannabinoïde, ouais, ça a un rapport avec le cannabis, oui. Si ça peut t'aider. J'ai pas compris. En gros, donc indispensable, retient juste que l'organisme n'arrive pas à le synthétiser tout seul. Du coup, on va avoir besoin d'un apport exogène. Donc exogène, c'est-à-dire de la part de l'extérieur. Donc par exemple, par l'alimentation. Donc par exemple, pour les oméga 6. Je crois que c'est. Non, ce n'est pas les huiles végétales. C'est par exemple le jaune d'œuf et tout ça, tu vois. Donc, dans ton alimentation, tu vas pouvoir manger donc, des oméga 6. Et du coup, ben, ça va aider ton organisme à finaliser la synthèse ben, des autres lipides, tu vois. Retiens juste que indispensable, c'est apport exogène. Donc, apport de l'extérieur, par exemple, l'alimentation. OK? Super. Du coup, on m'a demandé de refaire l'acide arachidonique. Du coup, oui, là, c'est plus compliqué, je suis d'accord. Du coup, là, l'acide arachidonique, 20 carbones, d'accord? 20 carbones, 4 doubles liaisons en position 5, 8, 11 et 14. Toujours pareil, si vous apprenez, moi, ce que je faisais, en fait, j'apprenais la position de la première double liaison. Et comme je savais qu'il y en avait 4, je me disais, OK, vu que c'est tous les 3 carbones, ça fait 5, 8, 11, 14. D'accord? Et puis même, si vous retenez que l'acide linoléique et l'acide arachidonique, c'est les oméga 6, vous savez donc que la dernière double liaison, donc là par exemple, c'est un acide gras à 20 carbones. Si vous faites 20 moins 6, donc la position de la dernière double liaison, vous savez qu'on va tomber sur du 14, OK? Et donc à partir de là, pareil, vous pouvez faire en marche arrière 14, 11, 8. Vu que vous savez qu'il y a 4 doubles liaisons. Ça change jamais entre 3 carbones? Oui, exactement. Dans le cours, on n'a que des exemples où c'est tous les 3 carbones. Donc ça, déjà, c'est plutôt cool, d'accord? Et donc, toujours pareil, nom commun et nom systémique. Donc, acide 5, 8, 11, 14, écosa tétraénoïque. Donc, toujours écosa parce qu'il y en a 20. Tétra, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tétra, on va beaucoup le retrouver en chimie organique. Tétra, c'est quand il y a 4, en fait. Et énoïque, parce que donc on a 4 N
car 4 doubles liaisons. OK? Et du coup, je ne vous ai pas marqué en fait parce que, y a une partie où on parle de tout ce qui va être synthétisé après. Moi, je vous ai parlé juste des deux plus importants, d'accord? Mais il faut savoir que voilà, c'est précurseur des écosanoïdes, des endocannabinoïdes. Et en fait, on va vous détailler un peu les écosanoïdes et les endocannabinoïdes, OK? Alors, 20-14 égale 6, donc pourquoi ce n'est pas un acide linoléique? Tout simplement parce qu'en fait, tu ne peux pas dire que tous les oméga 6 sont des acides linoléiques, tu vois. Juste, enfin, ne confonds pas, l'acide linoléique, c'est le chef de file, tu vois. Juste ça. Et c'est à partir de l'acide linoléique qu'on va pouvoir synthétiser tous les autres. D'accord? Donc juste voilà, là, tu as dit 20-14 égale 6. C'est juste 20-14 égale un oméga 6. OK? Donc tu sais qu'il fait partie de la famille des oméga 6. C'est tout. Ça va ou pas? Super. Et du coup, après, voilà, je n'ai pas marqué, mais l'acide arachidonique, il va synthétiser, il va être le précurseur donc de beaucoup de seconds messagers qui vont être très, très utiles aux réactions. Par exemple, les leucotriènes, les prostaglandines, les thromboxanes. Mais ça, je ne vous le détaille pas. Mais juste, voilà, sachez que donc ils ont un rôle dans les processus allergiques, la coagulation, etc. Mais ça, vous le verrez au moment du cours. Et non, lui, il n'est pas indispensable, OK? Juste, voilà, pareil, retenez qui est indispensable, qui ne l'est pas. Mais donc, du coup, l'acide arachidonique, lui, n'est pas indispensable parce que tu te doutes, vu que son précurseur, enfin, celui qui est avant lui, donc l'acide linoléique, lui, il est indispensable, on a besoin d'un apport exogène et l'acide linoléique va servir à la synthèse de l'acide arachidonique, OK? Mais pas l'inverse. Donc, tu te doutes que si on peut synthétiser l'acide arachidonique, c'est parce qu'avant, on a eu donc de l'acide linoléique. OK? OK, super. Donc, la suite. La deuxième famille, les oméga 3. Donc, lui, c'est représenté par l'acide linolénique. Toujours attention, oméga 6 linoléique, oméga 3 linolénique. OK? Il y en a, ils n'arrivent pas à faire la différence, il leur faut 2 ans, mais moi je vous le dis comme ça, ce sera directement acquis dans votre cerveau. Du coup, l'acide linoléique, acide à 18 carbones. Ici, 3 doubles liaisons. 9, 12, 15. Donc maintenant, si vous avez bien compris, vous comprenez que 18 moins 15, tac, on arrive à faire un oméga 3. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ça? Est-ce que quand vous voyez là par exemple 20, 17, vous dites 20 moins 17, ça fait un oméga 3? OK, si vous avez compris ça, déjà, vous êtes super bien. Du coup, l'acide alpha-linolénique, lui aussi, c'est un indispensable. D'accord? Donc, je répète, indispensable, besoin d'un apport exogène. Par exemple, l'alimentation. Et du coup, son petit nom, l'acide 9, 12, 15, octadécatriénoïque. Toujours pareil, décaocta 18, tri, le préfixe tri, c'est parce qu'il y a 3 doubles liaisons dans cet acide. N, toujours parce que quand il y a une double liaison, ça s'appelle un N en fait. OIC, parce que voilà, c'est l'acide. À la fin, donc on a la fonction carboxyle. Donc ça, vous verrez toute la nomenclature, toujours en chimie organique. OK? Et du coup, cet acide alpha-linolénique, il va servir de précurseur à l'acide écosapentaénoïque. OK? Qui s'appelle aussi EPA. C'est plus facile, vous retenez EPA. Mais voilà, il faut savoir que c'est l'acide écosapentaénoïque. Du coup, l'acide écosapentaénoïque, vous commencez peut-être à comprendre. Donc, il y a 20 carbones et ici, en fait, penta, voilà, on a 5 doubles liaisons dans cet acide en position 5, 8, 11, 14, 17. C'est très compliqué, je sais, mais après, en fait, on en a fini là avec les formules chimiques, OK? Donc, juste, voilà, désolé, à retenir toutes les formules avec des chiffres, ça à retenir. Du coup, ici, toujours, on a un oméga 3. Et en fait, l'EPA, qui est le précurseur aussi de certains écosanoïdes, par exemple, les prostaglandines de type 3. Donc, les prostaglandines, voilà, pour vous dire,
C'est un rôle en fait dans les processus de l'inflammation, ok? Juste comme ça, vous savez. Donc, dans les prostaglandines de type 3, ok? Du coup, et en fait, cet EPA donc, va être le précurseur des eicosanoïdes, donc, par exemple les prostaglandines de type 3, et aussi de l'acide cervonique. L'acide cervonique, je vous le dis tout de suite, il a un rôle dans le développement cérébral, d'accord? Et du coup, cet acide pardon, cervonique, qu'on appelle aussi le DHA, tout simplement parce qu'il a un nom très 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 long, c'est l'acide docosahexaénoïque. Et en fait, on le réduit en DHA. Et en fait, voilà, C22, donc 22 carbones, 6 doubles liaisons en position 4, 7, 10, 13, 16, 19. Toujours pareil, je vous conseille de faire des petits tableaux. Avec, voilà, par exemple, l'EPA, c'est un acide à 20 carbones avec toutes ses doubles liaisons. Pareil pour le DHA, etc., etc. Pourquoi il s'appelle ECOSA et pas 5-8 tout simplement parce qu'il y en a. Enfin, je pense qu'il y a tout ça avant, tu vois. Mais moi, je n'ai pas dû le marquer parce que, bon, voilà, c'est trop long. Et quand tu as compris qu'en fait, avant chaque voilà, octadécatrinoïque, il y a la position de toutes les doubles liaisons. Enfin, tu as compris, OK? Donc là, voilà, je ne l'ai pas marqué, mais si ça te fait plaisir, on peut dire que c'est l'acide 5, 8, 11, 14, 17, écosapentaénoïque. C'est juste qu'après, en fait, tu vois, ça fait un petit peu long, OK? Du coup, l'acide cervonique, il est indispensable aussi. Donc depuis 2013, donc ça, pareil, bon, ça, c'est des dates, on s'en fout. Mais du coup, il est indispensable, c'est-à-dire qu'avant, on ne considérait pas qu'il était indispensable, on considérait que ce qu'on avait dans l'organisme, c'était suffisant, mais en fait, non, on a besoin d'un apport exogène, OK? On emploie le terme de précurseur. Précurseur, tout simplement, on revient en arrière. Précurseur, ben parce que, voilà, précurseur de tous les oméga-6, c'est-à-dire que la plupart, enfin là j'ai marqué tous les oméga-6, tous les oméga-6 vont venir de l'acide linoléique, ok? Là pareil, l'acide arachidonique, précurseur des éicosanoïdes endocannabinoïdes, c'est juste que les éicosanoïdes et les endocannabinoïdes vont venir de l'acide arachidonique, ok? Donc à partir de l'acide arachidonique, on va former ça. Comment il peut être indispensable s'il y a un précurseur? Alors, donc ça, c'était un petit point du cours. C'est juste qu'en fait, avant, comme je te dis, avant, ils ne considéraient pas qu'il était indispensable. C'est juste que comme il est très, très important dans le développement cérébral et rétinien, ça c'est aussi un truc que vous verrez plus tard, en fait, il faut une quantité suffisante. Mais quand il n'y a pas de quantité suffisante, eh bien, voilà, on doit apporter un apport par l'alimentation ou par des compléments alimentaires. Okay? J'ai plus le point du cours. Mais en gros, enfin, si tu as envie, je répondrai plus tard. Je regarde dans le cours, OK? Comment il peut être indispensable s'il est un précurseur, d'accord? Je te dirai. Allez, on passe à la suite. Mais du coup, les éicosanoïdes, ils ont plusieurs précurseurs. Ben, alors, en fait, les éicosanoïdes, c'est juste une famille d'acides gras où il y aura 20 carbones, tu vois? Mais oui. Parce que c'est juste qu'il y aura des éicosanoïdes qui seront de la famille des oméga-3 et d'autres qui seront de la famille des oméga-6. OK? Donc, ce n'est pas les mêmes précurseurs en soi. Tu comprends? OK, super. Allez, hop là, excusez-moi. Du coup, les oméga-6, leur rôle dans le système nerveux, pour l'équilibre cardiovasculaire et dans le système immunitaire. Et donc là, j'ai marqué où est-ce qu'on les retrouve, donc dans les graisses animales, l'huile végétale et les œufs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des fois sur le beurre, là, la margarine, il y a marqué riche en oméga-3. Ben voilà, tout simplement. Et du coup, pour les oméga-3, donc c'est l'élasticité des membranes et des vaisseaux. Donc voilà, pour la bonne organisation des membranes ou des cellules, etc. Et donc dans le développement cérébral et rétinien, donc là particulièrement le DHA, l'acide cervonique. Et du coup, on les retrouve dans les huiles végétales et dans les poissons. OK? Bon, je vois qu'on a répondu à ta question. C'est parfait, on passe à la suite. Donc ça, une autre catégorie de lipides simples, pardon, les glycérides et les stérides. Donc là, si je vous dis triglycérides, est-ce que ça vous parle?
Donc, si on part de là, triglycérides, ça devrait vous parler. Donc, du coup, en fait, les triglycérides, c'est juste qu'on a un glycérol. Donc, le glycérol, donc, c'est un type d'alcool, tout simplement. Un type d'alcool où, en fait, on va avoir trois alcools. OK? Donc, c'est un trialcool, le glycérol. Et en fait, c'est juste qu'on va lier un alcool ou plusieurs de ce glycérol avec un ou plusieurs acides gras. Et donc, en fait, on dit que les glycérides, c'est des esters d'acides gras et de glycérol. OK? C'est juste que, voilà, la liaison entre l'acide gras et l'alcool du glycérol, ça va être une liaison ester. Donc là, toujours pareil, je vous dis des termes, vous les verrez en chimie organique, OK? Et ça deviendra beaucoup plus simple pour vous. Voilà, juste à savoir, la liaison entre l'alcool et l'acide gras, là, il est représenté par un petit R, ça s'appelle un ester. Du coup, on va avoir plusieurs positions. Donc là, vous voyez, là, on a la position alpha et la position bêta et la position alpha. La différence entre alpha et bêta, ce sera juste que là, on aura un alcool primaire. Je vais expliquer ce que c'est. Donc là, il y a un petit rappel, mais je peux vous expliquer. Et en bêta, on aura un alcool secondaire. Donc, la différence entre un alcool primaire et un alcool secondaire, c'est juste que l'alcool primaire, donc par exemple, ici, vous le voyez en bas, l'alcool primaire, il sera lié à un carbone qui sera, lui, lié qu'à un seul carbone. D'accord? Alors qu'ici, pour l'alcool secondaire, vous voyez bien que le carbone qui porte la fonction alcool, il est lié à deux autres carbones. Et c'est ça qu'on appelle un alcool secondaire. C'est tout. Et du coup, à partir de là, les glycérides, on pourra parler de mono, de di ou de triglycérides. Toujours pareil, on peut avoir des monoglycérides en alpha ou en bêta. Tout simplement. Là, par exemple, on a un alpha monoglycéride. Mais voilà, l'acide gras, il aurait pu se situer en bêta. OK? Et du coup, pareil, pour les diglycérides, on pourra avoir des alpha bêta ou des alpha alpha. Est-ce que ça va ou pas? Juste ça. Alpha bêta, alpha alpha. Ça va? Super. Et du coup, en fait, le dernier, les triglycérides, c'est juste que sur chaque alcool, on aura un acide gras qui aura été estérifié. C'est juste ça. C'est-à-dire que toutes les fonctions alcool de notre glycérol seront liées à un acide gras, tout simplement. D'où, voilà, cette notion de triglycérides. Tout simplement. Et l'estérol, voilà, c'est des esters, donc d'acide gras et d'estérol, qui est un autre alcool. Mais ça, vous verrez dans la deuxième partie avec voilà, le cholestérol. Comme vous entendez, stérol, cholestérol, ça vient du même nom. Hop. On passe aux lipides complexes. Donc, l'opposition entre les lipides simples et les lipides complexes, c'est que les lipides complexes, ce sont des lipides simples. Donc, comme on a vu tout à l'heure, juste, on va rajouter soit un atome de phosphore, un atome de soufre, un atome d'azote ou des oses. Mais bon, ces atomes, ils ne vont pas apparaître comme par magie, ils vont être reliés des fois donc, dans des groupements, dans des alcools, qu'on va juste rajouter. D'accord? On va les ramifier. Du coup, ces lipides complexes ont un rôle important dans le cerveau, le foie. Ça, pareil, je vous le marque pour que ça soit un peu plus intéressant. D'accord? Alors, notre première catégorie de lipides complexes, ce sont les glycérophospholipides. Alors, les glycérophospholipides, ils dérivent de l'acide phosphatidique, qui est ici, vous voyez. Donc, notre acide phosphatidique, donc avec son atome de phosphore au milieu, tout simplement, on va venir ramifier sur un des acides, là, lui notamment, on va venir ramifier donc ou de la choline ou de l'inositol. Donc, la choline et l'inositol, ce sont deux types d'alcool. Voilà, vous pouvez remarquer, là, on a bien, bien des alcools partout. Et du coup, les glycérophospholipides, c'est notre glycérol. Hop, vous vous souvenez, le trialcool, le glycérol, phosphate plus l'acide phosphatidique relié par une liaison ester en alpha. Donc, toujours l'alpha, donc c'est au niveau de l'alcool primaire. Vous vous souvenez, les alphas, il y en a deux. Un ici ou un ici.
Et du coup, notre acide phosphatidique, il va toujours être, bien sûr, toujours être au niveau du carbone alpha, jamais au niveau du carbone bêta, d'accord? Et voilà, il faut juste savoir qu'on a une liaison ester entre les deux. Et du coup, on peut avoir une estérification là aussi du phosphate au niveau de cet acide ou de celui-là, bref, c'est pareil, c'est les mêmes, par des alcools, donc ou la choline ou l'inositol. Du coup, la choline, donc, c'est un alcool azoté. Vous pouvez remarquer ici qu'on a un atome d'azote. Et en fait, ça, c'est une fonction ammonium quaternaire. Donc ça, je vous l'explique. En fait, de base, l'azote, il peut être lié qu'à trois autres atomes, OK? Sauf que là, il va être lié à un autre atome. Du coup, il va porter un petit plus. D'accord? Ça, pareil, c'est de la chimie organique, mais je vous explique vite fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça un ammonium quaternaire. Tout simplement. Comment on sait où est le carbone oméga et bêta? Alors, attention. Là, on parle du glycérol, OK? Et sur le glycérol, qui est un alcool, on va avoir trois positions d'alcool, OK? On va avoir alpha, bêta, alpha. Et c'est différent de oméga, de l'autre nomenclature. Je sais, c'est compliqué parce que là aussi, on reparle d'alpha, bêta. Mais en gros, oméga, c'est dans les acides gras, tu vois. Juste ça. Voilà, confonds pas oméga, alpha, bêta dans le glycérol et dans les acides gras. D'accord? OK. Donc là, voilà, toujours un petit côté intéressant, voilà, de physiologie. C'est important dans les membranes cellulaires et le métabolisme des glycoprotéines. OK? Alors, hop. Donc là, je vous ai fait un petit tableau, un peu résumé, avec les différents types de glycérophospholipides. D'accord? Donc, peut-être que ce sera plus simple pour apprendre. En gros, genre, c'est vraiment ça, c'est le BABA. Alors, je reviens juste après, d'accord? J'explique ça. Alors, on a une première catégorie, on va appeler ça les phosphatidylcholines. Donc, ça, c'est toujours des types de glycérophospholipides. Alors, la différence entre tout ça va être qu'on ne va pas avoir les mêmes alcools à chaque fois. Du coup, là, comme avant, on va avoir notre acide phosphatidique plus la choline. La choline, donc, je vous ai dit, c'est un alcool azoté, voilà, c'est juste ça. Donc, les phosphatidylcholines, comme son nom l'indique, on va avoir donc notre acide phosphatidique plus une choline, tout simplement. Et donc ça va avoir un rôle dans les membranes cellulaires. Le plus, c'est la solubilité, genre vraiment, tu vois, là, quand on a un ammonium quaternaire, on va avoir une très très grande solubilité, si tu veux. OK? C'est juste ça. Du coup, les phosphatidylcholines, on appelle ça aussi les lécithines. Et en gros, les lécithines, elles peuvent être hydrolysées, donc sous l'action de phospholipase. Et en gros, ça, les phospholipases, on les verra plus tard, je crois. Et en fait, les lécithines vont former, sous l'action des phospholipases, les lysolécithines. D'accord? Et là, la différence, c'est juste que le glycérol, il va perdre en fait un acide gras ou en alpha ou en bêta. Est-ce que vous vous souvenez là? Qu'on a notre glycérol. Et en fait, on va avoir des acides gras qui vont être ramifiés. Et dans les lysolécithines, c'est juste qu'on va couper en fait à un endroit. Et du coup, on va avoir un acide gras qui va partir. C'est juste ça. OK? Et donc là, toujours, rôle dans les membranes cellulaires. Voilà. Est-ce que ça va, les lysolécithines et les lécithines? Ou pas? Est-ce que je vous ai perdu? Bon. Non, pas trop. Pas trop. Pas trop, je vous ai perdu ou pas trop, t'as pas trop compris? OK. Donc, dans les glycérophospholipides, je reprends. Donc, les glycérophospholipides, c'est ça, tu vois. C'est juste ça. Et en gros, là, tu vas avoir ton glycérol. Donc, le glycérol, ben, c'est ce qu'on a détaillé. Ton glycérol, il va être lié à des acides gras. D'accord? Là, par exemple, en alpha, ici en bêta. Et du coup, au niveau de l'alcool en alpha, ici, on va avoir un acide phosphatidique. Et en fait, sur cet acide phosphatidique, on va pouvoir ramifier
des alcools, par exemple, tu vois, ici, on a la choline. Et du coup, tout à l'heure, donc le premier exemple, c'était les lycithines ou phosphatidylcholine. Et en fait, les phosphatidylcholines, c'est juste qu'au niveau de ton acide phosphatidique, on va rajouter ici une choline, ok? C'est juste ça. Et c'est pour ça, voilà, qu'on appelle ça un acide phosphatidylcholine, ok? Est-ce que ça va mieux ou pas? Et du coup, donc ça, c'est pour les lécithines. Et en fait, les lysolécithines, t'imagines que là aussi, t'imagines qu'en fait que tu as une lécithine. Donc là, t'imagines qu'on a rajouté une choline. Et en fait, c'est juste qu'avec l'action de phospholipase, donc les phospholipases, c'est des enzymes qui vont cliver au niveau des lipides. C'est juste qu'à ce niveau-là ou à ce niveau-là, on va couper et en fait, on va enlever un acide gras. C'est juste ça. Ça va ou pas? Oui, non. Oui, ok. Du coup, après, on a ce qu'on appelle les plasmalogènes. Donc là, ce que j'ai marqué, c'est qu'un des deux alcools est rattaché à un acide gras par une liaison éther. Donc vous avez vu que d'habitude, on a des liaisons esters, ok? Sauf que là, on va avoir une liaison éther. Donc ça, pareil, éther, c'est juste qu'on va avoir une déshydratation de la liaison ester et que ça va former une liaison éther. Juste ça. Et donc ça, c'est sur un des deux alcools qui va être attaché à un acide gras, d'accord? Et du coup, là, l'alcool qui va être présent, c'est l'éthanolamine. OK? C'est juste ça. Dans les glycérophospholipides, ce qui va changer, donc, c'est la nature de l'alcool qui va être ramifié avec l'acide phosphatidique. Juste ça. Et du coup, le rôle, des plasmalogènes, c'est que c'est 10% des phospholipides du cerveau pardon, et du myocarde. Donc le myocarde, j'ai marqué, j'ai précisé, c'est le muscle du cœur. OK? Juste ça. Et du coup, notre dernière catégorie de glycérophospholipides, c'est les phosphatidylinositides. Et du coup, là, si vous avez peut-être compris, les phosphatidylinositides, on va avoir une ramification d'inositol au niveau de l'acide phosphatidique. Donc là, je vous avais mis un exemple d'inositol. Eh bien, dites-vous que celui-là, il va être ramifié ici. OK? Juste ça. Est-ce que ça va ou pas? Ou je dois revenir sur quelque chose? OK. Allez. Donc là, deuxième catégorie de lipides complexes, les sphingolipides. Du coup, qu'est-ce que c'est un sphingolipide? C'est juste une sphingosine et un acide gras. Donc là, je vous ai mis la structure de la sphingosine. Et en fait, juste ici, on va rajouter un acide gras. C'est tout simple. Et en fait, là, j'ai bien, bien, bien précisé que la sphingosine, ce n'est pas un lipide. D'accord? Tout simplement. Pourquoi le glycérol a trois alcools? Parce que c'est dans sa nature. Voilà, c'est un alcool avec trois positions d'alcool, tout simplement. OK? C'est quoi du coup? C'est quoi du coup quoi? J'ai pas suivi. Bah, vas-y, écris-moi, dis-moi. Je reprends. Du coup, notre sphingosine, si elle est liée à un acide gras saturé, donc j'ai bien marqué saturé, ça va nous donner une céramide. D'accord? Donc ça, la céramide, c'est un type de sphingolipide. Du coup, c'est quoi la sphingosine? La sphingosine, bonne question, bah, c'est une molécule tout simplement. C'est tout. Voilà. Après, je peux chercher, pendant que Pablo y fera son cours, je peux chercher ça aussi si vous voulez, et je vous le donne à la fin du cours, ok? Si vous en souvenez du moins. Et du coup, en fait, la dégradation de la sphingosine, ça va donner la sphingosine 1-phosphate. Et notre sphingosine 1-phosphate, elle va être très très importante dans les mécanismes du cancer, parce que voilà, elle va être liée à la prolifération et à la migration cellulaire, et dans l'angiogénèse. Et en gros, l'angiogénèse, c'est juste la création des vaisseaux. Et je ne sais pas si vous savez, mais en gros, les cancers, ils vont donner des métastases. Donc, les cellules cancéreuses, en fait, elles vont se disséminer dans l'organisme.
Et en fait, l'angiogénèse, ça va faire que nos cellules, nos métastases, elles vont être vascularisées et en fait, du coup, elles vont de plus en plus se développer. Mais du coup, si on cible la sphingosine lymphosphate, en fait, on va pouvoir lutter contre cette angiogénèse. Du coup, nos métastases, elles seront moins vascularisées, du coup, elles se développeront moins. Faut apprendre les représentations spatiales? Non. Non, non, non. Du coup, donc là, on est bientôt à la fin de ma partie. Du coup, les sphingolipides. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, si on a une liaison avec un acide gras saturé et de la sphingosine, ça va donner les céramides. Donc là, j'ai marqué, c'est les plus simples des sphingolipides. Et du coup, leur rôle, ça va être de second messager dans l'apoptose. Et l'apoptose, qu'est-ce que c'est? Ça, vous allez pas. Enfin, je ne sais pas si vous allez le voir plus tard. L'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. OK? Et du coup, voilà, céramide, apoptose. Et j'ai bien marqué que c'est un acide gras saturé. Ensuite, deuxième catégorie de sphingolipides, les phospho-sphingolipides. Donc, leur composition. Donc, en fait, c'est des céramides. Donc, on reprend ça. Et on va rajouter une phosphocholine. Donc, vous vous souvenez, la choline, c'est un alcool. C'est tout simple, OK? Donc, on prend la structure enfin, le plus simple des sphingolipides, auquel on va rajouter une choline liée à un phosphore. Et du coup, son nom, donc le phospho-sphingolipide, ça va s'appeler la sphingomyéline. Donc, ça, pareil, sphingomyéline, myéline, vous vous dites, ah, oh, myéline, neurone. Ça va être donc dans le tissu nerveux, OK? Tout simplement. Et du coup, dernière catégorie, les glycosphingolipides. Donc, rien qu'à glyco, vous vous doutez qu'on va avoir des oses, des sucres qui vont être rajoutés. Du coup, c'est une céramide, pareil, plus des oses. Donc, les oses qui peuvent être le glucose ou le galactose, ou j'en passe, OK? Parce qu'il y en a plusieurs. Du coup, le nom, ça va être différent selon si on a un ose ou si on a plusieurs oses, d'accord? Du coup, si on a un seul ose, ça va s'appeler des cérébrosides. OK? Et du coup, si c'est un galactose qui est lié, ça va s'appeler un galactosyl céramide. Ça, après, c'est de la nomenclature, OK? Et si on a plusieurs oses, ça va s'appeler des gangliosides. D'accord? D'accord ou pas? Après, voilà, j'espère qu'en revoyant les tableaux que j'ai faits, ce sera plus clair pour vous. Mais j'ai essayé de faire quelque chose de synthétique. Et du coup, les gangliosides, leur rôle, ça c'est intéressant, c'est qu'ils vont être liés, ça va être les groupes sanguins en fait. Donc, les groupes sanguins, ils vont être liés à ces gangliosides. Et en fait, les différents groupes sanguins, donc A, B, O, ça va être lié à la présence ou à l'absence de certains gangliosides, enfin de certains sucres. C'est-à-dire que je ne vous ai pas mis de représentation, désolée. Mais en gros, si vous regardez à quoi ça ressemble les groupes sanguins, vous allez voir que c'est un enchaînement de sucres. Et en fait, la différence entre A et B, ça va être ben, un seul sucre. Voilà. Et dans O, il n'y en aura pas. Enfin, c'est une chaîne de sucres. Juste, là, on en aura un qui sera différent d'ici. Mais là, en fait, je crois qu'il y en a cinq au départ pour chacun. Mais là, on en aura un, enfin, le mannose, je crois, et l'autre, le galactose, un truc comme ça. Bref, vous verrez. Alors, il n'y a que ces trois catégories pour les sphingolipides. Oui. C'est tout. Et du coup, les propriétés des lipides. Donc, le prof en dit plusieurs, mais nous, en fait, on a voulu vous mettre que les plus essentiels, OK? Donc, la solubilité, la polarité, l'oxydation et la dégradation. Donc, la solubilité. Donc, il faut savoir qu'ils sont insolubles dans l'eau et solubles dans les solvants organiques. Donc, vous vous doutez, voilà, comme c'est des lipides, quand vous mettez, par exemple, de l'huile au contact de l'eau, vous voyez bien que ça ne se mélange pas. OK? Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont insolubles dans l'eau, les lipides. Donc, on apprend le tableau et c'est suffisant. Alors, si c'était suffisant, ce serait facile. Non, non. Moi, j'ai juste mis le principal, OK? Après, on détaille d'autres trucs à chaque fois. Mais moi, je considérais pas que c'est. Enfin, je considérais que ce que j'ai mis dans les tableaux, c'était l'essentiel, tu vois. Mais pour le QCM de vendredi, c'est l'essentiel. Oui, donc tu apprends le tableau. Voilà.
Alors, la polarité. Il faut savoir que les monoglycérides sont plus polaires que les diglycérides, qui sont eux-mêmes plus polaires que les triglycérides. Donc, si vous vous souvenez bien, le glycérol, il va avoir trois fonctions alcool. Et vous doutez bien que quand on a des fonctions alcool, ça va être polaire. Donc, ça veut dire que ça va pouvoir se lier avec l'eau. Et en fait, le monoglycéride, est-ce que vous vous souvenez, le monoglycéride, ça veut dire qu'on n'a qu'un seul acide gras qui est lié donc à notre glycérol. Et vous vous doutez bien que quand on a des triglycérides, toutes nos fonctions alcool, elles vont être occupées. Et du coup, on aura beaucoup d'acide gras. Et du coup, ce ne sera pas vraiment miscible, soluble avec l'eau. Et du coup, pas très polaire. OK? Donc voilà, retenez bien. Monoglycérides plus polaires que diglycérides, qui sont eux-mêmes plus polaires que les triglycérides. Parce que dans les triglycérides, voilà, on n'a plus de fonction OH libre. Est-ce que ça va ou pas? Ok, super. Et du coup, l'oxydation, donc elle se fait dans l'air et dans l'organisme sous forme de radicaux libres. Donc radicaux libres, ça vous les verrez plus tard, ou alors peut-être que vous les avez déjà vus dans tout ce qui est métabolisme et tout ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Mais en tout cas, voilà. Et pour finir, la dégradation. On a déjà parlé donc des phospholipases. Si vous vous souvenez bien. Les lysitines qui vont devenir des lysolécithines sous l'action des phospholipases, qui vont en fait couper les acides gras. Et du coup, on va avoir différentes phospholipases, pardon. Donc là, je vous les ai marquées. Dans le cours, ce sera détaillé. Mais bon, nous, on ne voulait pas passer trop de temps sur ça. Dans le cours, le prof vous les détaillera normalement. Et du coup, en fait, la dégradation avec l'action des phospholipases, les lipides vont devenir des signaux intracellulaires. Donc ça, pareil, si vous aviez eu la biologie cellulaire, ça aurait pu vous parler. Mais du coup, PIP2, donc c'est phosphoinositine, je crois, ou phosphopyrophosphate, je ne sais plus, sous l'action de la phospholipase C, ça va donner IP3 et DAG, donc diacylglycérol et là, je ne sais plus ce que c'est. Mais du coup, peut-être que je le remarquerai, je vais modifier le diapo, je vais marquer ce que c'est, parce que si même moi, je ne m'en souviens plus, ça va être galère. Et du coup, voilà, juste sachez que les lipides, sous l'action des phospholipases, donc qui clivent, qui coupent les acides gras, ça va donner des signaux intracellulaires. Voilà, comme vous avez un exemple. Et du coup, ce sont des réserves énergétiques de l'organisme pour plus d'un mois, les lipides. OK? C'est tout. Et je crois qu'on a ensuite les QCM. Donc là, je vous ai mis le tableau de tout à l'heure, d'accord? Donc, bien sûr, vous ne pouvez pas répondre normalement. Parce que, à part si vous êtes très très fort, j'en doute pas déjà. Mais du coup, vu que c'est plein de choses à apprendre, là, vous n'allez peut-être pas répondre de suite. Mais du coup, quand vous l'aurez appris, peut-être revoyez ce QCM pour savoir si vous avez bien ancré toutes les notions, surtout de ce tableau qui est au tout début. Et je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Du coup. Là, je vais juste les lire, on va passer à la correction. Donc, l'acide palmitique possède 18 carbones. Donc, vous vous souvenez? Ah, j'ai déjà des propositions. OK, ben, super. Ben, écoute, merci d'avoir fait tes propositions. Super. Du coup, pour le premier item, donc l'acide palmitique, il n'a pas 18 carbones, il en a 16. Donc, c'est l'acide hexadécanoïque. OK? Donc, faux. Ah ben si vous savez, mais c'est super, hein, super. Donc là, excusez-moi, en fait, genre j'ai fait un truc, j'ai pas corrigé direct, ok? Hop. Donc l'acide octadécanoïque est aussi appelé acide stéarique. Donc ça, c'est vrai, ok? Je sais pas si vous en souvenez. Donc voilà, il y avait aussi la B. Mais c'est pas grave. Mais non, pas... non, non, vous avez pas tout ça. C'est juste que ça après tout ce qui est nomenclature. Vous ne pouvez pas le savoir à la première lecture, d'accord? Il faut plusieurs lectures, il faut plusieurs apprentissages, il faut le répéter, et après, ça viendra tout seul. Donc, ne vous inquiétez pas. Déjà, vous proposez, c'est génial. Donc, ensuite, pour la C, vous aviez tous raison. L'acide eicosanoïque, voilà, 20 carbones, on l'a répété plein, plein de fois. Donc, voilà, surtout, n'hésitez pas à faire comme j'ai fait tout à l'heure, pour pas que ça, les noms ils soient trop imbuvables pour vous. Essayez de les détailler, d'accord? Quand vous voyez eicosapentaénoïque,
Voilà, donc détaillé, Ecosa, 20, Pinta, c'est parce qu'il y en a 5, et Noic, donc c'est parce qu'il y a 5 doubles liaisons. OK? Du coup, la D, donc l'acide bénique, donc là, je vous mets le petit tableau, l'acide docosanoïque. Du coup, ça, c'est vrai aussi. Parce que voilà, l'acide bénique aussi, 22 carbones, mais ça, pareil, vous ne pouvez pas le savoir de suite, d'accord? Et du coup, l'acide butanoïque et l'acide butyrique, là aussi c'est vrai, donc bravo. Donc toujours, je vous ai fait cet item pour pas que vous confondiez le nom commun et le nom systémique. D'accord? Donc déjà bravo. Nomenclature des doubles liaisons, il y a le triène et le diène. Ben non, parce que tu vois bien que par exemple, c'est dans l'EPA, on a 5 doubles liaisons. Ou dans le DH, je ne sais plus. Donc, des fois, c'était pentaénoïque. Mais oui, donc tu as triène, diène, tétra, enfin, tétra et tout ça, tu vois. Tétraénoïque, voilà. En fait, tu gardes juste le N, et en fait, après, tu pourras ajouter le nombre que tu veux. Tu vois, le préfixe, ça, je ne sais pas, tu pourras ajouter 2, 3, 4, 18, tout ce que tu veux. OK? Puisque tu as le préfixe et le suffixe, là. Dans ce que tu me dis. OK? Super. Donc là, petit QCM. Donc, toujours si vous voulez me faire vos propositions, bien, écoutez, je les prends. Alors, donc, l'acide linolénique est de la famille des oméga-3. L'acide arachidonique, donc c'est 24, 5, 8, 11, 14, est un oméga-3. Donc là, petit exercice. L'acide linoléique est un acide gras indispensable. L'acide cervonique est le précurseur de l'EPA. Les oméga-3 participent au développement cérébral et rétinien. Donc, vous me faites vos propositions, c'est génial. Allez, on passe à la correction. Du coup, ACE. Bravo à ceux qui ont dit ACE. Donc, toujours, ne pas confondre acide linolénique et l'acide linoléique. Donc, l'acide linoléique, je répète, les oméga-6, alors que l'acide linolénique, c'est les oméga-3. Ensuite, acide arachidonique, petit exercice. Si vous faites 20 moins 14, ça vous donne bien 6. Okay? Donc là, c'est un oméga 6. Donc là, pareil. Donc là, c'est un chef de file. Bravo à celui qui a dit c'est forcément vrai. Et pour la D, là, c'était l'inverse. C'est l'EPA qui est le précurseur du DHA. Et ensuite, les oméga 3 participent au développement cérébral et rétinien. Ça aussi, c'est vrai. Alors, bon, il y a quelqu'un qui a proposé un moyen mnémotechnique. Si vous voulez le lire, je vous en prie. Et du coup, moi, j'en ai fini pour ma partie. Merci d'avoir été autant attentif et d'avoir participé à la fin pour les QCM. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas ou à m'envoyer en message privé ou quoi. D'accord? J'y répondrai avec plaisir et peut-être que j'aurais peut-être plus revu le cours. Voilà. Allez, bonne chance pour après! Ah oui, pardon, en fait, il y avait un dernier QCM, mais comme le temps il presse un peu, voilà. Faites-le chez vous, ce sera cool. Et où, Pablo? Bon, c'est bon, vous m'entendez bien? Oui. Yes. Donc, on va avoir quatre parties. Bon, bah cool. Alors, bon, bah, on va commencer sur les stérols et les stéroïdes. Donc, d'abord, la structure des stérols. Donc, cholestérol, ergostérol, vous verrez. Donc, c'est assez rapide. On ne détaille pas le contenu du cholestérol. Donc, vous allez voir que ça va être des hormones stéroïdes, des vitamines D, mais aussi des acides biliaires. Mais ça, on ne s'attarde pas non plus dessus. Ce n'est pas très compliqué. Et enfin, les vitamines A, E et K qui sont liposolubles. Donc, vous verrez, c'est un cours assez intéressant, je trouve. Alors, donc, le cholestérol, il y a 27 carbones. Donc, on vous a mis en dessous le schéma. Il ne faut pas que je cache avec la bande en bas. Donc, 4 cycles. Donc, vous comptez 1, 2, 3, 4. 4 cycles et un noyau stérol. En fait, quand on dit noyau stérol, c'est les 4 cycles. Voilà. Donc, deux formes, estérifiées
et ça s'appelle un stéride et non esterifié cholestérol libre. Alors, je vais vous expliquer. Vous voyez en bas à gauche en bas à gauche, il y a un OH. Donc, ça, c'est le cholestérol non esterifié. Ah, ça bug? Ah, mince. Ah, mince, mince. Ok. Bon, bah, je vais. Vous m'entendez mieux là? C'est bon là? Bon, je reprends, vous me dites si ça marche plus ou si ça bug. Bon, alors cholestérol, il y a 27 carbones, 4 cycles, et le noyau stérol, du coup, c'est les 4 cycles. Deux formes, cholestérol libre, donc c'est celui que vous avez en bas. Donc en bas à gauche, il y a un OH, et quand il est estérifié, il a plein de carbone, comme vous avez vu avec le cours avec Quendoline. Et donc il est estérifié, donc avec une fonction ester. Vous m'entendez mieux maintenant? Yes, cool. Du coup, l'ergostérol, on le 28 carbone, donc je vais vous le montrer. C'est celui-là qui est en plus par rapport au cholestérol. Il y a une double liaison aussi, mais bon, vous n'avez pas ça à savoir. Par contre, important, il y a 28 carbone, et ça aussi très important. Ça vient, c'est on le retrouve dans les plantes et pas chez les humains, les animaux et tout ça. Et après, pour finir, juste l'isoprène, donc il y a 5 carbones. On en reparle tout à l'heure parce que c'est la structure de base du cholestérol, des ergostérols. Donc voilà, à l'origine du noyau stérol, comme on écrit. Voilà, allez. Donc biosynthèse du cholestérol, donc c'est endogène plus plus, donc ça veut dire que c'est majoritairement endogène. Donc c'est synthétisé dans presque toutes les cellules du corps, mais surtout par les hépatocytes. Donc c'est les cellules du foie. Vous verrez dans les cours que le foie est très 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 important et il sert notamment voilà à synthétiser le cholestérol. Donc du coup, il y a aussi des apports exogènes par l'alimentation, mais les cellules intestinales absorbent très peu le cholestérol, ce qui fait que en fait même si on n'en mange pas du tout du cholestérol, on peut vivre quand même parce qu'il y a une biosynthèse du métabolisme. Donc du coup, trois produits intermédiaires importants, le mévalonate, l'isoprényl pyrophosphate, on va appeler isoprène, et le squalène. On va voir ça tout de suite. Voilà, plein écran. Alors, quatre étapes principales. Donc, la première étape, c'est une condensation de deux molécules appelées acétyl-CoA, coenzyme A, en du coup, acéto-acétyl-CoA. Alors, vous voyez en haut, c'est la belle molécule qu'on a mis en haut à droite. Elle n'est pas à prendre. Et normalement, l'acétyl-CoA, vous en avez entendu parler dans le cours sur le cycle de Krebs. Ça va peut-être vous parler. Donc, c'est un intermédiaire assez important. Donc, l'enzyme qui condense ces deux acétyl-CoA, c'est l'thiolase et c'est une enzyme réversible. Ça peut aller dans les deux sens. Vous verrez après pourquoi. Du coup, dans la deuxième étape, on rajoute un troisième acétyl-CoA, donc condensation de l'acéto-acétyl-CoA avec de l'acétyl-CoA, et ce qui fait de l'HMG-CoA. Alors, l'HMG-CoA, c'est hydroxyméthylglutaryl. On vous demande pas ça, on vous demande juste de connaître HMG-CoA. Donc l'enzyme responsable, c'est la HMG synthétase. Ben voilà, parce qu'elle synthétise, voilà, comme son nom l'indique, l'HMG-CoA. Et donc c'est irréversible. Et enfin, encore les deux étapes. Donc il y a une réduction du HMG-CoA en mévalonate par l'HMG-CoA réductase. Réduction, réductase, voilà. Du coup, on se retrouve avec 6 carbones. Du coup, on vous met en... Ça, c'est important, le prof, il incite beaucoup et ça tombe. L'HMG-CoA réductase, c'est la cible des statines. Donc, c'est un traitement contre l'hypercholestérolémie. Et les statines sont un traitement hypercholestérolémiant, c'est-à-dire que ça fait baisser le cholestérol, donc hypocholestérolémiant, hypo en dessous, hyper au-dessus. Et pour finir, la quatrième étape, c'est une décarboxylation du mévalonate en unité isoprénique, donc comme on a vu là tout à l'heure. Donc il y a 5 carbones, c'est important, on passe de 6 carbones à 5 carbones. Et pour finir, un assemblage donc de 6 unités isopréniques
donc 6 fois 5, 30. Et après, cyclisation, c'est-à-dire comme on a vu en noyostérol, là, il y a 4 cycles et tout. Et méthylation, du coup, pour arriver à 27, il y a une chaîne, je peux vous la remontrer. Hop. Voilà, on voit une chaîne sur le côté ici, là, donc c'est la méthylation. Voilà. Donc ça, on vous résume avec un beau tableau, des belles flèches. Donc thiolase, c'est réversible. Du coup, on a les flèches dans les deux sens, synthétisées par la thiolase. Donc acétyl-CoA en acétoacétyl-coenzyme A. Voilà. Donc je résume tout ça. Statine, très très important. Ça, c'est à savoir par cœur. Ça va rentrer assez rapidement. Décarboxylation, libération de CO2. Retenez surtout que c'est on enlève un carbone. On passe de 6 carbones à 5 carbones. Sinon, oui, en chimie organique, décarboxylation, c'est une libération d'un CO2. Donc voilà. Mais c'est pas très important. Du coup, comme je vous ai dit, ça va donner le cholestérol donne des hormones stéroïdes, des acides des sels biliaires que vous verrez pas aujourd'hui, mais en cours, et vitamine D. Donc, les hormones stéroïdes, les organes du coup qui synthétisent ces hormones stéroïdes sont les gonades, donc ovaires et testicules, et les glandes surrénales. Donc, dans les glandes surrénales, les deux hormones ont 21 carbones. L'aldostérone, que vous verrez en E3, ça c'est pas important, juste je vous explique ce que c'est. C'est pas important pour ce cours, quoi. C'est une hormone du coup qui augmente la tension artérielle. Donc voilà, vous verrez dérégulation hydrique et tout ça. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, voilà, vous n'allez pas savoir à quoi ça sert, mais en tout cas, les deux hormones sont importantes et synthétisées du coup par les glandes surrénales. Et gonades, donc vous connaissez la progestérone, 21 carbones, les œstrogènes, les androgènes. Donc, du coup, sur le côté, c'est ce que ça donne. En fait, œstrogène, précurseur de l'œstradiol, androgène, précurseur de la testostérone. Et donc, du coup, il y a deux cytochromes importants. Les cytochromes, c'est des enzymes du foie, encore une fois le foie, qui en fait permet de métaboliser, de changer, d'ajouter des carbones, d'enlever, de mettre des groupements et tout ça. On le retrouve aussi dans d'autres cellules que les hépatocytes. Voilà. Vous avez des questions? Bon, bah super. N'hésitez pas à me demander en cours, je regarde le chat. Du coup, deux précurseurs de la vitamine D. Du coup, deux sortes de vitamine D. La vitamine D2, ergocalcitérol. Ah, aldostérone, une hormone qui augmente quoi? La tension artérielle, vous verrez, il y en a qui permettent de diminuer la tension artérielle en éliminant dans les reins et d'autres d'augmenter la tension artérielle quand on n'a pas assez d'eau et tout ça. C'est pas important, c'est juste pour la culture en attendant le cours du E3. Du coup, ergocalciférol, donc ergo, c'est souvent quand il y a les végétaux, vous verrez, comme tout à l'heure. Du coup, végétal, à partir de l'ergostérol, voilà, les vitamines D3, cholécalciférol, animal, donc on le retrouve chez les animaux, à partir du cholestérol. Voilà, rien de plus à savoir. Donc, on le retrouve dans l'alimentation, mais donc dans D2, dans les graines, D3, huile de foie de poisson. Mais sa synthèse est surtout endogène au niveau de la peau. Donc, on entend souvent là, quand tu bronzes, voilà, tu prends la vitamine D, bah en fait c'est ça, c'est que grâce au rayon ultraviolet D en particulier, et bah en fait il casse le cholestérol et ça permet de produire de la vitamine D. C'est assez simplifié, donc il a besoin d'être activé in vivo. Ça c'est important, très très important, parce que du coup avant d'être activé, il doit être activé par le rein et le foie. Donc il y a deux passages. Le facteur limitant, c'est au niveau du rein, c'est-à-dire que par exemple, si la peau sécrète beaucoup de précurseurs de vitamine D, eh ben c'est le rein qui dit non, non, c'est bon, stop, j'ai plus besoin, le corps n'a plus besoin de vitamine D en ce moment, en gros, c'est ça. Donc du coup, c'est pour ça que ça s'appelle 1,25-dihydrocalcitriol, donc calcitriol, du coup, c'est la vitamine. 1,25, 1, c'est le rein, et 25, c'est le foie. Bon, ça, vous verrez lors du cours. Et donc, dihydro, ben voilà,
deux groupements hydroxyles. Voilà, c'est pour ça. Le prof aussi donne un exemple. Ça, c'est intéressant de mettre des parties un peu de culture, un peu médicale et tout ça. C'est pour ça que certains compléments en vitamine D sont pas ouf parce qu'ils sont déjà activés. Ce qui fait que s'ils sont activés, le corps ne peut plus réguler un excès de vitamine D, ce qui peut donner des troubles qu'on voit dans la diapo juste après. Du coup, le rôle très important, donc c'est dans le métabolisme phosphocalcique, absorption du calcium, et aussi favorise la fixation du calcium sur les os. Vous savez, les os sont il y a en très 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 grande partie par du calcium. Donc voilà, c'est bien à savoir. C'est bon là pour l'instant? Super. Du coup, les hypovitamineuses, donc quand on a moins de vitamine D que ce qu'on devrait avoir, donc ça entraîne une fragilisation des os, un rachitisme chez les enfants et une ostéoporose chez le sujet âgé. Donc vous voyez tout à l'heure, on a vu que il sert beaucoup aux os, à la fixation du calcium et tout ça. Donc, vous pouvez vous dire, si on en a moins, bah forcément, ça entraîne des problèmes osseux. Du coup, fragilisation des os. Ostéoporose, c'est chez les personnes âgées, c'est l'os qui se fragilise beaucoup plus facilement que chez les adultes ou chez les enfants. Rachitisme, du coup, c'est une forme de nanisme. Hypervitaminose D, rare, donc ça entraîne des troubles rénaux. Je ne pense pas que le prof va vous interroger là-dessus. Voilà, comme je vous dis tout à l'heure, activation de la vitamine D par les UV. Voilà, on peut prendre des compléments en cas d'hypovitaminose. Voilà, du coup, la vitamine D était dérivée du cholestérol, très très important, mais les trois vitamines que je vais vous parler sont des dérivés isopréniques, mais ne sont pas dérivés du cholestérol. Alors bon, je ne peux pas trop vous dire pourquoi, mais en tout cas, c'est très important de différencier. Les lettres A, E, K ne dérivent pas du cholestérol, D dérivent du cholestérol. Alors, il y a du coup plusieurs formes. Donc, la forme active, donc c'est le rétinol, parce qu'il y a un groupement OH. Quand c'est OL, c'est un alcool. Donc, on le retrouve dans le foie des animaux. Et leur forme inactive, c'est la provitamine A ou bêta-carotène. On a mis des petites photos. Non, les carottes et les poivrons rouges. Ici, important, beaucoup de vitamines sont antioxydantes, donc vous retrouverez aussi la vitamine E. La vision crépusculaire, c'est du rétinal. Alors retenez que la forme active, c'est du rétinol, mais que pour la vision crépusculaire, c'est du rétinal. AL, c'est parce que c'est sous forme d'aldéhyde. Pareil, vous avez dû le voir si vous avez fait une terminale S. Mais sinon, le prof de chimie en regard reprend ça, un cours complet sur toutes les familles et tout ça. Ça va revenir facilement, ou même ceux qui ne connaissent pas, c'est pas le plus compliqué. Donc, le rétinal se différencie, sert à la différenciation et à la prolifération cellulaire, et s'appelle l'acide rétinoïque. Alors, c'est important, ça. Je vais vous dire juste après pourquoi. Du coup, une hypervitamineuse, donc on a trop d'acide rétinoïque, de rétinal, donc ça entraîne des troubles de la peau, hépatique et une augmentation de la pression intracrânienne. Et c'est tératogène chez l'embryon. Alors, tératogène, ça veut dire que ça entraîne des malformations, des mutations et qui peut être du coup dangereux pour le bébé. Et quand je vous parlais de l'acide rétinoïque, vous verrez, il y a un médicament pareil, c'est. Je ne pense pas que le prof va vous poser des questions dessus, mais il ajoute ça pour un peu étayer son cours. L'acide rétinoïque, c'est aussi un traitement qui s'appelle le Roaccutane contre l'acné. Et les médecins sont obligés de mettre en garde les femmes qui prennent ce traitement, car ça peut être vraiment délétère, voire mortel pour l'enfant de prendre ce traitement. Donc, forme active, ça veut dire quoi? C'est en gros la forme qui permet de jouer le rôle qu'elle a. La forme inactive, c'est avant, c'est comme un précurseur, on peut dire le précurseur, c'est, on va dire, c'est la forme inactive, et la forme active, c'est celle qui jouera son rôle, pourquoi il a. Et du coup, une hypovitaminose A, ça entraîne des troubles de la vision jusqu'à la cécité, donc la cécité, c'est quand on devient aveugle, et l'héméralopie, alors en fait, c'est quand notre vision diminue, quand il y a moins de lumière, vous voyez, donc en fait, c'est surtout par la vision crépusculaire. Donc, quand le soleil se couche, qu'il y a beaucoup moins de lumière,
Et ben, si on a moins de vitamine A, et ben, on voit du coup un peu moins. Vitamine E, donc on passe rapidement dessus parce que ben, le prof n'insiste pas beaucoup. Vous avez des questions? Dites-moi sur les vitamines là qu'on a fait T et A. Si je vais trop vite, dites-moi aussi pareil, je peux revenir, vous inquiétez pas. Du coup, la vitamine E, aussi appelée alpha-tocophérol, qu'on retrouve dans les huiles végétales, les graines et fruits secs, plein de petites photos, antioxydants comme la vitamine A. Et donc, ça permet de limiter les déter des radicaux libres dans les MCV. Donc, les MCV, c'est les maladies cardiovasculaires. On a mis des points d'interrogation parce que sur le prof, dans le cours du prof, c'est au conditionnel. Du coup, bah, il se dit pourrait avoir limité les effets délétères dans bah, voilà, les maladies cardiovasculaires comme les infarctus, et tout ça. On n'est pas sûr. Et pour finir, on le retrouve aussi dans les adjuvants, dans les emballages, et tout ça, comme vous voyez en bas à gauche. Et voilà, donc du coup, pour finir, après, on a quelques QCM aussi. Les vitamines liposolubles, la dernière c'est la vitamine K, très très important, il insiste dessus et il a fait tomber il y a 2 ans, 3 ans. Du coup, vitamine K, donc dérivée du cumarole qui est une molécule. Donc on le retrouve dans l'alimentation, mais pareil, il y a une synthèse endogène donc par le corps et ici ce sont les bactéries de notre flore intestinale. En fait, vous devez savoir, dans l'intestin grêle, le côlon, même l'estomac, il y a plein de petites bactéries qui synthétisent divers protéines, et notamment de la vitamine K. Et elles sont indispensables, ces bactéries, et elles sont pas toxiques. C'est des bactéries, on appelle ça la flore commensale. C'est qu'en fait, il y a des échanges avec notre corps. Elles nous donnent des choses, et nous, on leur donne un peu le toit et les couverts. Et donc, du coup, elles se nourrissent un peu de nos aliments et tout ça. Et donc, c'est vital. Et elles servent notamment à synthétiser la vitamine K. Du coup, on la retrouve en quantité suffisante. Donc, pareil, on n'a pas besoin de spécialement d'avoir des compléments alimentaires de vitamine K, sauf chez le nouveau-né. Donc, qui a un déficit, ben, parce qu'en fait, quand on naît, notre côlon, notre intestin grêle, en fait, du coup, il n'a pas de bactéries, donc on n'a pas encore mangé. On était dans le ventre pendant 9 mois, donc globalement, pas de bactéries. Du coup, parce que ces bactéries arrivent, ben voilà, quand on mange et tout ça. Donc, rôle très très important dans la coagulation sanguine. Des médicaments ont été développés, donc ce sont les anti-vitamine K, donc c'est des anticoagulants, on peut dire anti-anti, donc pour s'en souvenir. Et donc, c'est la mort aux rats, en fait. Ils ont découvert que ils voulaient tuer des rats. Ils ont découvert qu'ils avaient des hémorragies. Les rats, quand ils les tuaient avec un produit, ils se sont dit que s'ils avaient des hémorragies, ça veut dire que ça fluidifiait beaucoup le sang. Et que du coup, pour quelqu'un qui avait des problèmes de coagulation, donc le sang qui n'est pas assez fluidifié, bah, s'ils injectaient ça en petite quantité, et bah, ça permettait de diminuer les troubles de la coagulation. Mais les accidents hémorragiques sont fréquents. Vous verrez, en gros, c'est il faut pas donner trop peu ni trop beaucoup, et il y a une petite échelle entre le trop et le pas assez. Voilà. Du coup, il fait des pièges, le prof, il dit les vitamines K sont anticoagulantes, ou les antivitamines K sont coagulantes. Donc vraiment, faut bien différencier tout ça. Bon, ben là, j'ai déjà fini. Si vous avez des questions, et après, on passe au QCM. Alors, anticoagulant, du coup, coagulant, c'est quand le. En fait, la vitamine K. Alors, la vitamine K permet de faire la coagulation. La coagulation, c'est quand le sang dans les vaisseaux, il bouche une artère ou une veine. Donc en fait,
C'est quand ben, il y a des problèmes, le sang n'est pas assez fluide, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et l'artère se bouge. Donc ça, c'est, il y a une coagulation et ça peut être mortel. Du coup, un anticoagulant, ça en fait libère des molécules, des choses pro-inflammatoires, des protéines et tout ça, et en fait permet de fluidifier ce sang et d'enlever ce caillot qui se forme. Anti, ben, c'est du coup contre la coagulation, anticoagulant. Sinon, antivitamine K, en fait, bon, vous verrez, on l'a pas mis ici, mais les antivitamines K, ça bloque la vitamine K réductase, une enzyme qui permet la coagulation. Du coup, si l'antivitamine K bloque une enzyme qui fait la coagulation, eh ben, logiquement, il n'y aura pas de coagulation. Voilà. Du coup, oui, la vitamine entraîne la coagulation et il y a des antivitamines K. Liposoluble, cela signifie que en fait ça se solubilise du coup dans tout ce qui est alors apolaire, peut-être ça vous parle pas, mais du coup c'est ce qui ne se solubilise pas dans l'eau. L'eau c'est polaire en fait, c'est H2O, et ben en fait le fait qu'il y ait un oxygène c'est polaire, ça permet, il y a des interactions d'électrons, je vous demande pas de retenir ça, mais du coup liposoluble c'est ça se solubilise avec d'autres lipides, avec des choses apolaires, et au contraire de hydrophiles et tout ça. Donc, liposoluble ne se solubilise pas dans l'eau. Alors oui, le chapitre, le prof a enlevé le troisième cours sur les lipoprotéines, heureusement parce que c'était assez compliqué, c'était assez chiant. Les AVK sont dans la mort au rat. Oui, alors. Plus maintenant, mais à l'époque, dans les années 50, ils utilisaient ça, ils avaient remarqué ses propriétés. Donc voilà, c'était assez intéressant, je trouve, petite anecdote rigolote. Bon, on passe au QCM. Je vous laisse du coup 1 minute pour répondre. Bon, ben on va répondre. Du coup, ouais, bon, j'attends les réponses, elles arrivent. Alors, on va commencer donc par la A. Donc, le cholestérol comporte 27 carbones. Ça, voilà, basique, il faut l'apprendre, il faut le savoir. Donc, ça, c'est vrai. Le cholestérol existe sous deux formes, estérifié et amidé. Bon, c'est un peu, voilà, un peu méchant, mais c'est pas amidé du coup, c'est sous forme libre, vous verrez. Donc, non estérifié. On retrouve le cholestérol chez les plantes. Pareil, on fait ces pièges pour que, voilà, vous vous rendez compte. Ergostérol chez les plantes, chez les animaux, cholestérol, voilà. Basique. L'origine du cholestérol est majoritairement exogène. Donc, on l'a dit, peut-être je ne l'ai pas assez répété, c'est synthétisé par les hépatocytes, majoritairement. On a des apports par l'alimentation, donc exogène par l'alimentation, comme vous avez dit, Gwendoline, mais c'est surtout endogène, c'est surtout les hépatocytes qui, voilà, synthétisent grâce à la biosynthèse. Donc, avec, vous savez, les acétyl-CoA qui se mélangent, voilà, qui se condensent. Et la E pour finir, la seule responsable de sa synthèse est l'hépatocyte. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est l'hépatocyte. Bon, chez les animaux, je vais pas préciser, mais ça va de soi. Donc, j'ai précisé dans la correction les diapos qui correspondent. Donc, voilà, quand vous regardez cet après-midi, vous pouvez vérifier tout ça et n'hésitez pas à nous poser des questions sur le forum, sur Facebook, où vous voulez. Voilà. Bon, ben, je vous laisse 1 minute là.
On va corriger. Donc, il y a quatre étapes principales dans la biosynthèse du cholestérol. Donc, oui, c'est celle qu'on voit dès le début, condensation des deux acétyl-CoA, puis le troisième acétyl-CoA, puis après la réduction en mévalonate. Donc voilà, la biosynthèse du cholestérol nécessite de l'acétyl-CoA. Pareil, basique, mais il faut le savoir. Donc il y a trois acétyl-CoA qui entrent en jeu. Le prof aussi pour le cycle de Krebs, même si ce n'est pas le même prof, demande aussi l'ordre des réactions. Donc c'est bien de savoir si la cholase est la dernière enzyme utilisée dans la réaction du cholestérol. Faux, c'est la première. Les réactions catalysées par l'HMG-CoA synthétase irréversible. Pareil, il y a le petit tableau, c'est que la première qui est réversible et toutes les autres sont irréversibles. Donc irréversible, c'est quand ça ne va pas dans les deux sens, parce que ça arrive que certaines enzymes permettent de faire des transformations dans les deux sens. Donc les statines, médicaments hypocholestérolémiants, qui diminuent le cholestérol, bloquent l'HMG-CoA réductase. Pareil, on a bien insisté dessus. Voilà. Dernier QCM sur les dérivés de du cholestérol. L'aldostérone et le cortisol possèdent 21 carbones. Chacun et sont synthétisés dans les gonades. Je vous laisse un peu répondre. Bon, je vais corriger. L'aldostérone et le cortisol possèdent 21 carbones chacun et sont synthétisés dans les gonades. Non. Du coup, on a deux localisations, deux organes à savoir, les gonades et les surrénales, et ces deux-là permettent, sont synthétisés dans les glandes surrénales. Concernant les vitamines, voilà, on a fait une question par vitamine. La vitamine D participe au métabolisme phosphocalcique. Ça, c'est vrai. L'hypovitaminose A est tératogène chez l'embryon. Alors, c'est faux parce que c'est l'hypervitaminose. Comme je vous ai dit, rappelez-vous qu'il y a des compléments, l'acide rétinoïque qui peut être pris en médicament. Et donc, du coup, ça augmente ce taux. Acide rétinoïque, c'est comme la vitamine A. Et donc, voilà. Vous pouvez vous en rappeler comme ça avec des cas un peu concrets. On retrouve la vitamine E dans les conservateurs et adjuvants. Alors oui, les emballages aussi, vous verrez. Et pour finir, la vitamine K est synthétisée par les bactéries de notre flore intestinale. Son origine est donc exogène. Alors c'est faux, c'est une origine endogène, même si c'est pas synthétisé par les cellules de notre corps, synthétisé par les bactéries qui sont présentes en permanence dans notre corps et qui sont vitales pour nous. Du coup, pour le prof, c'est une synthèse endogène. Voilà. J'ai, si vous voulez regarder la correction.